Salut à tous! Alors aujourd'hui, on va déballer ce qui peut servir pour du vlog ou pour des interviews ou autres, puisqu'on va déballer des petits micro-cravates sans fil, émetteur-récepteur. Donc on va regarder ça. Donc là, c'est un pack où il y en a deux. Parfait. Où il va y avoir deux émetteurs et un récepteur qui du coup va être branché à votre caméra, votre smartphone, etc. Il semblerait que ce soit une prise jack. Donc si jamais vous avez un iPhone, je vous invite à acheter ce genre de petit adaptateur qui est un adaptateur jack. Parce qu'on va avoir un truc mis au point vers Lightning, ce qui vous permettra du coup de récupérer ça. De toute façon, vous aurez le lien plus bas dans la description. Et on va pouvoir regarder ça ensemble. Alors on a une jolie petite pochette déjà, on a des instructions en anglais et en français aussi, ce qui est pas mal. On va retrouver sur le haut un petit zip avec tout un tas d'accessoires. On va déballer tranquillement. Alors on déballera pas les deux, hein. On va en déballer qu'un tant qu'à faire. On va avoir les petites bonnettes en peluche toutes sexy là. Voilà, on va avoir le petit micro-cravate pour le filtre anti-pop là, qui du coup a l'air de rentrer là-dedans. Hop, puisqu'on a une espèce de petit truc ici là pour le mettre. Hop, on va avoir du coup 3, 4, ok. On va avoir deux adaptateurs avec le petit micro-cravate, qui du coup seront sûrement reliés à ça. On va avoir un adaptateur jack. Ok, et on va avoir des micros USB pour le recharger. Puisque j'imagine que tout est sans fil. Donc, on va avoir un USB vers double micro USB pour recharger sûrement les récepteurs et un seul USB vers pour les émetteurs et un USB vers micro USB pour les récepteurs. De l'autre côté, on a une magnifique pochette. Oh, avec des antennes et tout. On a une magnifique pochette en mousse dans laquelle on retrouvera donc du coup le récepteur qui va être branché là directement sur votre téléphone grâce à ceci. Donc on va déballer. Alors, sur votre téléphone, sur votre caméra, attention, hein, je n'en dis pas plus. Donc phones et je sais pas pourquoi on a un truc qui s'appelle phones du coup. Mais hop. Il y a peut-être un truc en plus à mettre pour les téléphones, un adaptateur en plus, donc je vous conseille, si vous mettez sur votre téléphone, de brancher ça dessus et puis du coup de pouvoir brancher ça et de brancher votre prise jack directement sur votre téléphone. Encore une fois, si vous avez un iPhone sans prise jack, je vous invite à prendre ceci. Je vous ai pas dit, mais on est sur la marque Usemot, qui est dispo sur Amazon. On va avoir de quoi recharger ici, de quoi allumer, la petite prise casque ici. Oui, d'ailleurs, c'est peut-être même pas dessous. De toute façon, j'imagine qu'avec des instructions en français, vous avez tout dedans. Hein. Donc on n'a pas que du français. Paramétrage de l'émetteur, paramétrage du récepteur, antenne, prise d'entrée de micro. Voilà, on a toute l'info, du coup, le dessus, port de recharge, prise pour casque d'écoute, sortie microphone sur le bas. Et du coup, ici, on va avoir le petit émetteur qui va se mettre à votre ceinture, qu'on va essayer d'allumer. Hop, il nous met un on, il nous met une fréquence qui doit sûrement être la même, donc on peut changer, j'imagine. Donc non, là, c'est le volume. Et du coup, vous allez pouvoir brancher ceci dessus. Pour avoir, hop, donc ça c'est en rab, c'est une petite bonnette en rab, et du coup le but étant de brancher votre sortie, votre entrée de micro là, vous avez votre petit émetteur à la ceinture, le micro qui remonte dans votre chemise ou autre, et du coup la petite pince, pas bien loin de votre bouche pour enregistrer tout ça. C'est un pack qui est dispo sur Amazon.
qui est à un prix raisonnable quand on voit ce qui se fait en micro-cravate, qui permettra du coup de pouvoir là, en l'occurrence, gérer deux entrées son, ce qui peut être plutôt pas mal. Alors oui, voilà, pas inclus dans le paquet, vous voyez, on a l'info pour l'iPhone, donc comme je vous disais, et on met le truc par le dessous, donc on était bien. Voilà, on a vraiment l'information de comment on se branche, on a l'information de comment on se branche. Apparemment, pour les Android qui n'ont pas de prise de jack, mais qui ont qu'une prise USB-C, vous avez moyen d'avoir un adaptateur aussi, pour ceux qui n'ont pas de prise de jack. Et si vous branchez comment? Hop, si vous branchez sur un appareil photo ou une caméra, vous n'avez donc pas besoin de ce petit morceau-là sur le côté qui lui sert pour aller sur les téléphones. C'est un pack assez complet, vous avez une magnifique housse de transport qui est plutôt pas mal du coup, puisque si vous avez besoin de faire du blog, de l'interview ou machin, et ben ça vous permet de pouvoir avoir toujours ça à portée de main, qui ne prend pas vraiment de place, hein. Faut pas, on va pas se mentir, ça prend pas de place. Je pense qu'on essaiera de faire un enregistrement, un de ces quatre, pour voir si ce que ça vaut, pour voir ce que ça vaut au niveau son, voir ce que ça vaut au niveau émission-réception, puisque du coup le but étant pas que passer 1 mètre, vous soyez perdu. Donc je pense qu'on essaiera de faire un petit test. Dites-nous si ça peut vous intéresser, si on essaye de faire ça. Si on essaye de faire ça, sachant qu'on a le vlog IKEA qu'on doit monter, mais parce que on vous a promis 1 heure de vidéo et je vous assure que c'est pas évident à monter, mais peut-être qu'on pourra refaire un autre vlog, aussi avec les micro-cravates là pour éventuellement s'enregistrer pendant qu'on est dans le magasin ou ailleurs, hein, évidemment, puisque je ne vous dis pas tout, on a beaucoup de projets pour 2022, des gros projets. Je pense qu'on va sortir une marque de vêtements ou ce genre de choses, histoire de rester, pouvoir jouer dans le YouTube game. Donc voilà, vous retrouverez de toute manière, vous retrouverez ce pack. Désolé pour le bruit derrière, je devrais ranger plus tard. Vous retrouverez ce pack dispo sur Amazon, notice en français, machin, tous les accessoires qui vont bien. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire et bah, nous, on va vous souhaiter une magnifique journée. On va vous dire à la prochaine. Allez, salut tout le monde, bye bye!